Hop, la peinture. Voilà. Tu veux que je te mette un peu d'eau peut-être quand même? Ouais, je vais bien. Donc tu commences par faire la grande feuille là. Tu vas prendre le petit gabarit là, comme ça que je t'ai donné. Et tu le mets dessus ta feuille à l'envers. Ok. Bah c'est pas mal. Hein. Franchement, c'est cool. C'est une façon pour nous de pouvoir faire des choses sans forcément être à l'endroit où ça se passe. Et quand on est dans un isolement, c'est bien. De mettre comme ça. Mais ça y a plein de paillettes. Là, je suis en train de faire avancer le robot. Tu prends le crayon, là, et tu fais tout le tour. Tu tiens bien. T'as changé de coin. Ce que je me suis rendu compte, c'est qu'elle vivait les choses comme les autres pouvaient le vivre dans la salle. Il n'y avait pas plus d'importance accordée finalement à Camille. Elles étaient toutes finalement logées à la même enseigne. C'est ce qui était intéressant. Et finalement, très très vite, avoir le sentiment qu'on est dans la salle avec les autres. Avec des feutres, je me fais des dessins. Bah ouais. Tu te fais des tatouages, quoi. Comme moi. Elle se raconte un peu n'importe quoi, donc ça me fait rire. Je pense que c'est vraiment super pour les enfants, et même aussi pour les enfants qui sont là, parce que du coup, j'ai pu découvrir qu'il y en avait qui n'avaient pas été dans le passage isolé dans les chambres, et qui ne se rendaient pas compte qu'il y avait des enfants du coup qui ne pouvaient pas sortir de leur chambre. J'ai pu voir tout le côté bénéfique que ça fait à ces enfants qui sont enfermés entre quatre murs pendant plusieurs mois, de se croire en fait sortis de leur chambre protégée. Les parents sont ravis. À chaque fois, c'est un émerveillement pour tout le monde. Voilà, on a eu plusieurs retours des parents nous disant « c'est incroyable ». Ces réflexions-là et ces échanges avec les familles nous ont poussé à imaginer de systématiser un petit peu ça et de proposer aux enfants qui doivent rester à l'hôpital de façon prolongée et qui ont ce manque et ce besoin de lien social de bénéficier de ces robots. C'est bon, ça rentre ? Ouais. Oh bah super, chouette, oh, trop joli. Ça va, ça te plaît? Ouais. Wow, super, génial. Merci. De rien.